Garcia, donc Miguel et Chiro, de nous accueillir ce soir avec Florian. On est dans un gros problème, voilà, on n'a pas vu, tout ça. Et le but de cette conversation, c'est de vous présenter d'abord les premiers résultats que nous avons obtenus sur le terrain. Et ensuite, eh bien, cette année, c'était les 30 ans, vous avez compris. Donc ces 30 ans, nous allons voir un petit peu à quoi servit cet argent pendant ces 30 années. Vous y venez quand vous souhaitez. Ça fait quelques années que nous avons la chance d'être partenaires. Cette année, on devrait faire une collection, ça sera l'année prochaine. J'ai le plaisir aussi cette année de m'occuper de nombreux Toyota dans mon Pas-de-Calais. On va publier ces belles opérations. C'était aussi pour nos voisins les Ch'tis. Et puis, voilà, ces rencontres sont importantes pour nous, nous sommes très heureux. Et juste un petit mot avant que vous essayiez, il y a toute une organisation. Ces belles personnes sont arrivées à 6h20, à 7h15, tout est installé. Avec Florian, on fait de nombreux événements, on se repose, c'est assez incroyable. Donc on imagine ce qui doit se passer sur le terrain, et un grand merci à vous. Et si vous avez besoin de nous, on sera toujours à vos côtés. Je veux dire quelque chose, Florian, je viens résumer. Merci pour cette belle soirée que vous nous préparez. Alors, l'année dernière, dans le département, nous avons récupéré 828 920 euros, c'est-à-dire 527 767 sur la thématique, c'est-à-dire le 3637 et l'Internet, et 303 153 euros sur les manifestations de Téléthon. Nous sommes repartis cette année, on a débuté le Téléthon avec un handicap de 35 000 euros qui représente les manifestations qui ne sont pas reparties. Chaque année, bon gré mal gré, nous avons à peu près entre 15 et 20% de défection pour diverses raisons. Parce qu'il y en a qui font des écoles, il y en a des choses, d'autres qui font des écoles, il y en a pour une association, une autre année. Et aussi parmi les nouveaux. Les nouveaux, chaque année, on en perd 50%. Parce que le temps, bien, vous le savez, c'est beaucoup de travail. Depuis la première année, bien, ils n'ont pas eu mon escompté, ils se sont dit c'est pour rien. Donc, bien, ça a été courageux. Eh bien, malgré ce handicap de 35 000 euros, nous avons fait davantage, puisque de 303 000, pour l'instant, nous avons remonté 307 800 euros. Voilà, eh bien, ceci, c'est grâce à vous, grâce donc, au temps que vous avez passé, et puis, bien sûr, donc, un grand merci à vous toutes et à vous tous. Et c'est parti, je déclenche le renfort vers le plus bas, vers le haut. C'est vrai qu'un joueur de bas, c'est 350 tâches. Si vous allez dans la France profonde, je suis allé en tant que merci, mon GPS m'indiquait que j'étais dans la pampa et que je n'avais pas de route. Donc, si vous revenez maintenant, si on part assez loin, il y aura au moins deux minutes. Si on est en place, le temps qu'il est le fini, peut-être son capitaine ou le capitaine de colonel pour venir encore, ça fait du temps. Tandis que là, ça fait directement de Paris et ça descend rapidement. Anciens, les personnes peuvent faire pour la même somme de 2 euros un baptême de voiture ancienne. La randonnée pédestre qui a très bien marché puisque nous avions pris 100 personnes au départ de la rando. Ensuite, nous avons le musée du rock qui nous accompagne tous les ans, donc qui anime le samedi après-midi, plus de la zumba, enfin bon, voilà, différentes manifestations et activités. Bien entendu, nous repartons pour cette année. Je crois qu'on a signé, donc on signe pour longtemps avec l'équipe. Nous avions également organisé, j'ai oublié de le dire, au mois de novembre, j'avais donc l'accord de Christian, pour faire un concert au Temple de la Rochelle. Il y a eu deux chorales qui sont venues bénévolement pour faire cette soirée chorale. Et cette année, nous allons réitérer, mais par contre dans une église, pour changer un petit peu. Ensuite, nous aurons un week-end au Téléthon un peu identique à ce que l'on fait les autres années, parce que sur La Rochelle, ce n'est pas facile d'innover. Voilà. Merci à tous. Le ciel.
fait pas des petites annonces. On regarde l'horoscope, on regarde des petites annonces, on regarde un tas de choses. Et c'est une petite annonce un petit peu particulière, celle-ci, où elle m'a accroché. Elle est bien tournée, elle est bien vue. Et elle n'est pas raciste en plus. Ce qui est bien. Jeune noir, recherche compagnon. Origine ethnique, sans importance. Je suis belle et j'adore m'amuser. Je raffole des grandes promenades dans les bois, balade en 4x4, le camping, les soirées confortables installées au coin du feu. Je serai à la porte pour vous attendre quand vous rentrerez du travail. Je ne porterai sur moi que ce que la nature m'a donné. Embrassez-moi en me prenant dans vos bras. Je suis à vous. Composez le 404-875-64-29. Vous demandez des 12842 hommes répondant à cette annonce ont découvert qu'ils avaient appelé la SPA au sujet d'une chienne labrador ayant 8 semaines. C'est nous qui passons, nous Français, aux yeux des étrangers pour un peuple frivole, inconscient et léger. Et nous devons, c'est vrai, cette impression curieuse de ne pas nous intéresser aux choses vraiment sérieuses. Et la raison profonde qui nous fait juger mal, c'est que nous possédons ce travers national qui fait que le Français, il faut bien qu'on le confesse, ne s'intéresse qu'à deux choses. La tambouille. Ah, vous êtes au courant. Nous passons de ce fait pour les gens du dehors un tantinet de la gueule et cochon sur les bords. Et nous sommes bien contraints de l'avouer en toute conscience, essayer de le nier serait nier l'évidence. Car quel que soit le point de départ de nos conversations, il se ramène toujours aux deux choses en question. Au point que pour la bouffe ou le zizi pan-pan, vous employez les mêmes mots quasi inconsciemment. Exemple. Vous croisez dans la rue une bébé qui a du chien, un Anglais, un Allemand dirait sur son passage « elle est bien faite, et quel joli visage !» Eh bien, les Français pensent eux, moi, je peux la farcir. Et là, le verbe « farcir » pris dans son double sens associe la tambouille à la concupiscence. Car le chemin du bonheur, pour tous les gars de chez nous, il passe par l'œsophage, et il s'arrête au genou. On ne sait si c'est fragile, ou flatteur, ou affligeant, mais les Français ont de la gueule et du tempérament. Mais si nous sommes, nous, Français, bagarres et gourmands, comment voulez-vous qu'il en soit autrement? Si nous aimons la cuisine, c'est qu'on en fait de la chouette, et pour ce qui est d'être un peu porté sur la poulette, avouez tout de même que c'est assez normal pour un peuple et pour des gens qui ont un coq comme emblème national.
se promène, ça sert à rien d'aller. Nous on sait de faire tout, tout du copain qui déconne comme nous. Il y a une grosse cicouille dans le passage, il l'a pas vu, il fout le pied dedans, il la protège en deux. Et comme il est bourré, c'est pas trop ce qu'il fait, il commence à cicouille, quoi. Puis là, il y a un garde-fil qui passe, qui fait quoi, monsieur? Ben, je fais l'amour avec ma femme. Vous foutez de ma gueule, c'est une cicouille. Il regarde sa montre, il dit, putain, il est déjà minuit. C'est un mec qui appelle son médecin à 3h du matin, donc il faut vraiment que ça soit grave. Il dit, allô docteur, mais je vous dérange pas, s'il y a un petit peu. Il dit, je parle pas trop fort. Il dit, pourquoi? Il dit, j'ai mon frère qui dort à côté de moi. Il dit, c'est normal, il dit, on est 6 mois. Voilà. Il dit, voilà, j'ai un petit problème. Il dit, mon frère a des tendances homosexuelles. Bon, ça, c'est pas très grave. Il dit, si, parce qu'il dit, on a un coup du cul pour deux, il est trop côté. Ah, ça, c'est fait. Le meilleur pour la fin. C'est deux copines qui partent en boîte de nuit. Il dit, ce soir, on sort sans les mecs, ça va être génial. Et puis, sur le chemin du retour, il y a une qui a envie de faire pipi, l'autre a envie de faire quelqu'un. Ça peut arriver. Il dit, tu sais pas, on va s'arrêter au cimetière. Bon, quand même, la première, vous savez, les femmes, quand elles font pipi, elles s'essuient. Puis là, elle a rien pour s'essuyer, donc elle s'essuie sa petite culotte. Ben non, sa culotte. La deuxième, elle a un string. Elle ne peut pas s'essuyer. Elle s'essuie avec une couronne mortuaire. Elle rentre chez elle. Les mecs qui appellent son copain, ils disent, je sais pas ce qu'elles ont branlé. Une femme hier soir, il dit, la mienne, elle est revenue sans culotte. Ouais, ça, c'est pas très grave, parce qu'il dit, moi, la mienne, elle est revenue qui a un truc collé au cul, nous ne t'oublierons jamais, tes copains qui t'aiment. Voilà.